Quand on s'est marié avec Gabriel, j'avais commandé des fleurs. Et j'avais commandé des germinis et des gerberas. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Même la fleuriste, elle m'avait dit, c'est tellement pas classe pour un mariage. Les roses, c'est bien mieux. Ah non, mais madame, vous inquiétez pas, moi je veux pas un mariage classe. Je fais tout pour avoir un mariage de beauf en fait. C'est beau les germinis et les gerberas. C'est une espèce de grosse marguerite avec des couleurs éclatantes. J'en avais commandé 50, je sais pas, 100 de chaque. Oui, parce que comme c'est des fleurs de beauf, c'est beaucoup moins cher que les roses. Et quand elles sont arrivées le matin même, j'étais en train de me préparer avec mes quatre copines. Elles sont arrivées, elles étaient jaunes, fuchsia et jaunes. C'est-à-dire que le blanc avait viré au jaune, un peu comme un t-shirt blanc sous les dessous de bras, vous voyez? Alors au début, on a fait une tête avec les filles, et après, on a éclaté de rire. On s'est dit, purée, mais comment quand tu commandes blanc, on peut te livrer du jaune pipi comme ça? Et là, je vous dis, heureusement que j'avais mes copines. On a tellement rigolé. Non mais il vaut mieux foirer les fleurs que foirer le gars avec qui tu te maries. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais essayer dans ma vie de me concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Donc oui, j'étais vénère parce qu'il y avait du jaune pipi sur toutes mes photos de mariage. Mais je me mariais avec un gars que j'aime, qui m'aime et avec qui on avait le projet de faire une famille. Et c'était plus important que la couleur des fleurs. Donc des fois, il y a des trucs qui nous saoulent dans la vie, ça se passe pas comme prévu, on est vénère. Mais si on arrive à... Ok, c'est quoi l'essentiel? Je pense que ça va nous détendre.